J'en profite pour remercier très fortement EQVI qui nous accueille aujourd'hui parce qu'en fait, pour faire simple, on joue à domicile ce match normalement, mais on n'avait pas de créneau disponible sur notre terrain synthétique. Du coup, on a demandé à des clubs entre guillemets amis et ils nous ont accueillis, donc un grand merci à eux, merci beaucoup EQVI, je mets les réseaux dans la description. 14h55, arbitre licence, 15h match, d'accord? Dans 6 minutes, tout le monde est prêt. Ils ont le droit de respirer entre 14h12 et 14h. Le plus important, ça va être les 15-20 premières minutes, ok? Si vous rentrez dedans tout de suite et on leur rentre dans la gueule tout de suite, ils vont savoir à qui ils ont affaire. Eux, ils ont des a priori. On a tapé l'équipe contre qui ils ont perdu en championnat, ok? Je vous rappelle que l'équipe qu'on a tapée en Coupe de France, ils ont joué la semaine d'après contre en championnat et ils ont perdu. D'accord ? Donc je pense qu'ils vont pas nous prendre à la légère non plus. Ce que je veux, c'est les transitions rapides, au milieu. On n'aura pas le temps de faire 3-4 touches de balle, vous le savez. Là, c'est une D1, c'est pas une D4. Hein. Vous n'aurez pas autant de temps que contre Vernet. Hein. Donc dès que vous avez la balle, comme on le dit avec Romain à l'entraînement, information avant de recevoir la balle. Comme ça, vous savez directement à qui donner la balle. Des côtés, Yann en appui, comme on a fait à l'entraînement, n'hésitez pas, hein. Les 1-2 avec Yann, il sait le faire. Hein. Ok. Noémir, deuxième match de Coupe de France. Ouais. Tu te sens comment? Franchement, l'équipe elle a un tout petit peu changé dû aux blessures. Et l'équipe contre qui on va jouer, c'est aussi une D1. Franchement, on a le même état d'esprit que le match précédent. Je pense qu'on va faire un bon match, il faudra juste être sérieux comme il a dit Romain, ça va le faire. Oubé, tu sens comment le match? Ah, ça va être un match compliqué, mais on l'a fait une fois, on peut le faire encore, c'est pas comme si on n'avait pas le niveau. Outsider, mais on se donne à fond et on peut chercher quelque chose, hein, moi je pense. Franchement, on peut chercher quelque chose. Dimanche 25 septembre, on est avec vous aujourd'hui parce qu'il y a un match de Coupe de France entre le Vinsky FC et l'équipe de Tremplin Foot. C'est le quatrième tour de Coupe de France aujourd'hui, on va le vivre avec vous. La composition la d'équipe. La composition d'équipe que tu vas détailler. Donc Emir, Elvis, on l'a dit. Voilà. Fetti qui va jouer à la place de Shems, c'est Shems qui va jouer à la place de Fetti. Donc Shems va jouer en 10, Dylan en 6. Mm-hmm. Nathan Villa, Chris et Yann devant. Yann, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, il est revenu tranquillement. On a une petite pénurie d'attaquants. Voilà. Du coup, Yann va être titulaire, mais on lui fait confiance à 100%. Donc c'est bien l'Unisky FC qui va donner le coup d'envoi. On a 3 arbitres officiels et c'est parti. Et c'est parti, on y va. Donc Unisky FC en blanc, tremplin en vert fluo. Vous pouvez pas les louper. Et un premier ballon qui va être bien amené là. On domine. J'adore ton analyse. J'adore ton analyse. 90% de possession. J'adore ton analyse. Oui, ce n'est l'été. La faute, monsieur l'arbitre. Non, pas du tout. Dylan. Il va tenter la spéciale. Le gars. Super Dylan. La spéciale de Dylan. S'il fait bien sûr. C'est moyennement, on va dire. Et il y a un ballon récupéré pour tremplin, peut-être une opportunité sur le côté. Emir qui tente de mettre son corps en opposition. Il y a un coup de sifflet de l'arbitre avec une faute. Ah, il y a un bon ballon là pour tremplin avec un ballon sur le côté gauche, peut-être. Il y a une bonne opportunité pour tremplin. Est-ce qu'il va pouvoir redresser? Il centre. En retrait, attention! Oh, c'est bien contré par Elvis, super. Superbe coup. Non, non, le ballon encore dans la surface. Oh là là. On ne joue pas ici. Faut surtout pas se mettre en danger bêtement. Action dangereuse, très rapide. Merci d'ailleurs. Allez, Ibé qui repart avec Emir. Oui, c'est des clubs de district. Ouais, je pense qu'il y a faute. Mais l'arbitre dit jouer. Et l'opportunité peut-être en retrait. Attention, voilà, la frappe qui ne donne ça absolument fait deux rien. Fois qu'on laisse du monde en retrait, il faut pas. Après là, ça va vite là sur le côté. C'est bien. Allez, maintenant, bien joué Dylan. Ça joue. C'est ce qui donne à Shems. Ouais, Shems. Oui, tente de jouer sur Villa. Villa côté droit, Villa toujours. Villa du petit pas, petit pas. Villa qui revient sur pied gauche. Oui. Il tente un centre. La tête qui ne donne rien. Bien joué, les gars, super. Super. C'est une belle tête ça. Super, une belle action, devrais-je dire. Mais la tête donne rien. Donc, a été défavorable la tête. Deuxième tête. Chandelle ratée, ballon pour Chris, non. Chem, ça se bataille un peu n'importe comment là. Voilà, Dylan qui tente un ballon sur la gauche. Il est pas hors jeu. Il y a Villa qui est entré de surface. Il tente un sans pied droit. Yann qui va tenter de la contrôler. Oui, il réussit. Ah, il a tenté un dribble un peu bizarre. Sans deux fétis. Aïe, 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 pas la bonne position. La frappe, elle est captée. Bien joué.
Après, ils peuvent prendre des contres. On l'a vu avec la vitesse sur le côté. Ouais, aïe, 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 c'est aïe, pas aïe. Mal, il y a une bonne déviation, la frappe du pied gauche qui ne donne rien. Frappe. Allez, et ça repart avec Dylan qui va envoyer un ballon en profondeur, un peu n'importe comment. Faut calmer, ça donne rien. Faut calmer, c'est pas grave. Devant. Ouh la touche Amsterdam. Touche Pays-Bas en fait. Ouais, touche vraiment. Touche Pays-Bas. Touche Pays-Bas, mais Emir qui conserve bien avec Chris qui attend tes jeux en première. Attention, il y a peut-être une opportunité de faire quelque chose. Nathan, reviens à la place d'Emir. Nathan. Et Nero qui tape le coup. Oh, oui, il tente de chercher quelqu'un. Oui. Attention, la frappe peut-être. Aïe, 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 ça a été contré par un défenseur. Et c'est un corner pour le Vizcaya FC. Action sur ce corner qui est bien tapé, je trouve. Le gardien qui s'est troué. Oh, non. Oh, elle est derrière. Oh, elle est derrière, dommage. Alors là, on y a cru. Oh là là, je sais pas qui a fait la tête, mais elle est derrière. Je pense qu'on y a cru. C'est Nathan Villa qui a fait la tête. On y a cru. Et elle est juste derrière le but, dommage. On y a cru. Oh, c'est une bonne passe. Si, il sait quoi faire avec le numéro 9 qui va prendre le côté gauche justement. Il part. Super Emir. Et la couverture d'Emir. Super Emir, gros match d'Emir pour l'instant. Mais il faut qu'on atteigne les 1000. On a fait 1300 dans le match de Coupe de France. Sur les pénaux. Allez, on sort. Forcément, il y avait un peu de suspense. Allez, là, ça pue sa mère. Oh, oui, ça pue, c'est qu'à le dire avec le numéro 11 qui va tenter de se présenter dans la surface. Ibé le ralenti comme il super, faut Ibé. En deux super. Temps. Super. Et là, ouais, il y a encore le ballon. Bien joué, ouh, Dylan. Ouh là là, super, Dylan. On le tacle est propre. Moi, je vous ai dit, j'aimais bien le joueur. Il faut se parler. Allez, c'est bien, Emir, c'est rien. Voilà, Ibé qui va changer sur Dylan en première intention pour Chems qui a tenté de jouer en première intention sur Chris. Chris qui part en profondeur, le gardien qui sort. Où est le ballon? Je le vois plus ici, je le vois. On doit suivre. Dylan qui... J'ai cru qu'il allait taper parce qu'il était... Non, 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 en plein sur la tête de... Dylan qui va essayer de récupérer. Oh, très bien. Mais ils sont tout neufs, les maillots ils tiennent. Là, il est là. Il tente de couvrir le numéro 5 avec le 11. 1-2 entre les deux, c'est bien joué avec le 5. Qui est côté gauche, qui tente un centre fuyant. On est passé à une chaussure. Oh, à une demi-chaussure de la correctionnelle. Faut remonter le bloc. Oh, Vizcaya FC qui est dans les cordes là. Ah, les gens ils remontent pas. Et Herman qui se jette. Ouh, oui, là tu peux pas la capter dans les mains. Et il y a une contre-attaque peut-être avec Chris sur le côté gauche. Yann Oro en appui, pardonnez-moi. Et il y a un coup de sifflet. Tu vas avancer mieux, ça va être. C'est bien tiré ça. Aïe, il n'y a pas cru. Mais là, faut qu'on les mette celle-là. Il n'y a pas cru. Aïe, dommage pour Villa. C'est bien tapé le gardien qui, décidément, c'est troué, c'est contré. Attention, Dylan qui est sur son bon pied cette fois. Il y a la contrôle. Il n'y a rien, dommage. Ouh là 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 là. J'aime ça, c'est très bien joué ça pour Villa. De l'autre côté. Garde le ballon. Il a libéré Dylan. Ah, il manque pas grand chose. Attention, Villa peut-être dans la surface de réparation. Villa qui tente de dribbler le goal. Attention, lolo, incroyable. Oh, la gourmandise. On le sait, ça peut être un vilain défaut, mais là. Alors, je regarde l'arbitre. Dans le temps additionnel, je ne sais pas il y a combien de temps additionnel où il les touche, c'est... 3 minutes, je crois. Ouais, 2-3. Là, il va finir. Même pas ! Il y a encore des choses à revoir, mais c'est bien. Si on fait la correction pour la deuxième mi-temps, c'est ça qui va nous amener à la victoire, messieurs, c'est ça. Les duels. Ils sont vicieux, hein. Ils savent faire, ils vous la font à chaque fois. Vous avez vu, ils montent avec les deux là sur les côtés. Elvis, il est tout seul et vous parlez pas. Hein, les contrôles, les mecs, c'est pas normal. On rate trop d'occasions à cause de ça. On doit s'appliquer là-dessus. Et arrêtez de paniquer, de douter quand vous faites une passe, un contrôle. Arrêtez de douter, vous savez jouer au ballon, messieurs. C'est eux qui sont en train de douter, là. Ils sont tellement en train de douter qu'ils essaient de rentrer dans votre tête, dans celle de Dylan. Donc, j'adore votre attitude. On adore votre attitude. On aime tout ça. Putain, les gars, Vincent, ils font la réflexion toutes les 5 minutes. J'aime beaucoup l'attitude qu'on a. Alors, quand on commence à avoir un coup de mou, là, on a besoin des leaders. On a besoin de vous, les gars. On a besoin de vous, vous avez l'expérience. Il faut lever la tête, les gars. Bim, ça replace, c'est rien. Je dois vous entendre.
je dois vous entendre. Ok les gars, est-ce qu'on a envie d'aller faire un truc sur les gars? Allez, deuxième mi-temps. Enfin, je me suis mal exprimé. Match nul. Oui, match nul, d'accord. Match nul. Surtout lui. Oh, je suis archi pas neutre. Moi, j'essaye, mais bon. T'es un mytho. Chut, putain. Allez, allez. Des fois, faut entretenir le mystère. Allez, c'est parti. Évidemment, n'entretient pas le mystère, puisqu'il a le ballon sur la droite avec Yann qui tente un centre pour Chris, la tête de Chris. Signé Chris, une tête magnifique qui a totalement surpris tout le monde. Le centre de Yann, côté droit. Et la tête de Chris. Il est allé sur le côté. La tête est splendide. Et 1-0 pour Miska FC. Incroyable. À votre 0-0, vous voyez où vous le... Oh, oh. Vous voyez où vous le mettez. Je décale, ça mec. Je crois qu'il y avait ballon récupéré, mais pas du tout. Bien joué. Ça se bat. C'était encore un viaduc. Derrière, bien joué. Super, de l'autre côté. Oui, tu l'as vu. Oui, ça a été demandé. Oui, tu l'as vu. Oh, oui, Dylan qui se l'emmène bien. Bon contrôle. Dylan qui se l'emmène bien. Attention, ah, c'est le pied droit. C'est le pied droit. Le pied droit, il s'est emmené le contrôle sur le pied droit. Forcément, ça a été un peu plus difficile. Non, le Vince KFC, on connaît pas le clean sheet. Non, c'est pas un non, truc qu'on aime pas, bien. Ah, ouais. C'est inconnu. C'est le numéro 9, hein, comme on disait. Oh là, ouais, qui est super remuant. Aïe, aïe, aïe. Qui joue. Hop, il aurait pu jouer en une touche. Il rentre dans la surface, il frappe. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Je. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui était en promenade sur le terrain. Ouais, bah là, ouais, là. Ouais. C'est normal cette promenade? Il y a la verdure autour, donc la promenade est justifiée. Après, on en parlait à l'instant. On en parlait à l'instant. On ne sait pas prendre des clean sheets. Voilà. On n'a pas le droit. Voilà. Les gars se promènent. Ouais, c'est. Ouais. Tiens, je te laisse l'action. On met un replace, s'il te plaît. Vas-y, à toi l'honneur sur cette action. Allez, c'est parti. Allez, Nathan. Oui. 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 Oh. Non. Il est bien placé. Il est bien placé. On l'a laissé faire, on l'a laissé faire un 1-2 là comme ça tranquille avec son attaquant. C'était difficile. Aïe. Oulala. On s'en mord. Bien joué, Herman. Non, il y a encore le ballon. Il dribble Nero. Il perd les appuis. Non, il y a rien. Non, l'arbitre a dit le ballon. Oulala. On n'est pas passé loin là. Il y a trop d'émotions là. On n'arrive plus à gérer ce match. Ouais, là c'est la. Allez. C'est la correctionnelle là. N'est pas la correctionnelle. Allez, les deux côtés, j'ai même l'impression. Il faut faire des choix plus rapides. Déjà, faut garder le ballon first. Je ne le vois plus. Si, c'est James qui l'a. Ouais, ça, c'est bien joué. Bien joué. Et Villa qui accélère. Oui. Villa qui a vu Chris. De l'autre côté. Villa qui a vu Chris. Il a vu Yann, malheureusement. Là. Le numéro 7 l'a vu aussi. Et ça repart de l'autre côté. Ouh là là. C'est en train de s'enflammer un peu. Wow. Oh là là, je suis. On n'a pas le droit de prendre ce but là. Il faut rester concentré. C'est pas des buts qu'on a le droit de prendre. Magnifique. Ouais, on est là. Oulala, très bien passé, il est tout seul. Oh, il y a un contre-attaque, il y a une contre sur le côté gauche. C'est couvert par Nero, mais il a le rebond favorable. La frappe, attends. Oulala, incroyable. On veut. Il y a un but encaissé. Attention, on est pas. Il y a un bon corner contre le Vizca FC. Herman, des deux points, la frappe qui. Oulala, c'est pas passé loin. J'ai pas passé loin du tout. J'ai parlé du numéro 11, hein. Enfin, peut-être. Attention, hein. C'est pas passé loin. Le milieu qui est invisible, hein. Bien joué. Ça, c'est une bonne remise. Ça passe pour Chris. Pour Chris, qui rentre intérieur. Oui. Il a vu Villa. Villa qui oui. frappe. Oh, le poteau. Le poteau. Et le poteau, très belle frappe. Oh, y'a y'a. Il continue. Non, oh là il y a là, touche. Le poteau pour le contrôle. C'est dommage. Allez, y'a. Ça arrive, Djibril. La passe à l'eau. La passe manteau là qui. Oulala. Il élimine deux joueurs, trois joueurs, incroyable. Bien joué, Emir. Le tacle était appuyé, mais il a le contre-favorable. Il garde. Il garde encore le ballon. Il est dans la surface de réparation. Il tente une frappe qui passe derrière. Il est à danser avec les stars. Allez. Moi je me. Mais non, mais avance. Aïe. Ça vient, ça vient.
Voilà, tout ça pour prendre un petit pont, on est content. Oh, elle passe. Allez, faut revenir les gars, allez. Tremplin qui a le ballon. On n'a pas le droit, on revient en trottinant. J'aime pas beaucoup ça, j'aime pas notre attitude. Allez. Tremplin qui garde le ballon, il y a de l'espace de l'autre côté. Oui, ils l'ont vu. Nathan, on va récupérer cette balle. Voilà. Allez. Oui, oh là là, il s'en sort bien. Bien joué, Nathan. Voilà, allez, faut la lâcher. Solidarité, les gars, allez. Ça va centrer. Oh, Nero qui passe. Oh, tout le monde passe à travers. On laisse trop de temps aux gens, ils ont trop de temps pour jouer depuis tout à l'heure. Après ça doit être dur, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas en train de courir à leur place depuis tout à l'heure. Oui. Mais ça se voit. Allez, deuxième ballon. Commande le but, hein. C'est... Ça vous... Il y a hors-jeu, monsieur l'arbitre. Non. Moi je te dis que non. Allez, on est coupé en deux. Alors Elvis Elvisky ne peut pas. Oh là là. Faut vous parler, ouais. Voilà. Il y a eu communication. Allez les gars, là faut resserrer. Oh là là, c'est vraiment distendu, hein. Les lignes sont distendues, il n'y a pas de place. Non. Allez, dis la prochaine. Oh là 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 là. Là, on va pas vous mentir, on n'a pas l'hygiène de vie de... Non. Des joueurs du PSG. Hein. On peut penser que la moitié des joueurs sur le terrain ont fait une soirée hier. Quelle parade d'Herman. Quel arrêt d'Herman. Alors là... L'arrêt du pied gauche. L'arrêt du pied. Les gars, faut être attentif. J'ai failli commander le but dans le mauvais sens. Hein. Non, c'est par là. Voilà, merci. Parfait. Oh là là, je suis choqué. Quel arrêt. Allez, le corner. Ça a été dégagé. Oui, non. Allez. Si, là il y a un contre. Là il y a un contre avec Vida. Vida qui part, il lève la tête avec Liam maintenant sur le côté gauche. Liam qui. Mais non, mais. Qui rate. Non, on ne pète pas la table, non, j'en ai encore besoin, s'il te plaît. Oui, je sais, mais j'en ai encore besoin. Là, il y a faute. Faut jouer vite, les gars. Faut être précis, c'est important. Oui, c'est bien joué ça. Il y a Dylan au deuxième. Mais c'est bien tapé, Dylan, la tête de Dylan. Oh, juste à côté. Oh, il est à côté, dommage. Juste à côté, chacun a eu son action. Incroyable, je l'avais commandé. Oh, c'était mon but pepperoni ça. Supplément chez Dar. Tu es consultant, c'est ton rôle. Oui. J'aurais pas fait ça. Bien joué. Moi, mon rôle, c'est de dire que Vida a le ballon sur la gauche. Qui bien joué. A vu Chems qui joue en première intention. C'est pas mauvais. Si, c'est bon. Ça va passer. Il y a ça un balle, le rebond qui est passer. Favorable. Qui est favorable pour le gardien. Bien défendu. Très bien défendu. Et Nathan qui a joué. Ok. Donc, allez. Arthur qui. Changer de position. Abdé qui est ailier droit du coup. Oui, c'est oh, oh là là. Oh là. Oula. Alors là. La légende d'Abdé, comme dirait l'autre. Et ils sont 17 à crier sur le banc là. Et franchement. Ouais. Et les gars, vous aidez pas là. Abdé, très belle rentrée. Très belle rentrée. Vraiment. C'est rouge. Ah, je l'ai pas. Doucement, c'est rouge. C'est vraiment rouge. Il a vraiment mis rouge. Ah ouais. Bah en même temps, il l'a tué. On vous dit tout après le coup franc, parce que d'abord il y a un coup franc. Voilà. Pas mal tapé. Viens, l'arbitre dit rien. Dylan ne peut pas se mettre sur son pied gauche. Il arrive à garder le ballon, c'est incroyable. Ça me termine. Arthur qui. La frappe. Ouh, la frappe d'Elvis. Elle est bien tentée. On est dans le temps additionnel, il y en a je sais pas combien. Mais c'est pas normal, on est 10. Oh là là, il est passé. Il est passé, attention, il y a un contre peut-être pour Tremplin. Qui je le rappelle, un 11 contre 9. Nero qui... Oh, on a eu peur. Oui, qui a fait peur tout le monde. Allez. Bah oui, justement, il y a le corner, il y a une tête plongeante, il y a une frappe au-dessus. Oh là là, je suis pas bien. Péno. C'est Péno. Moi, je vais pas survivre. Alors tu dis plus rien. Je sais. Par contre, je vais gueuler. Je vais pas survivre. Là, par contre, On n'a pas le droit. Neuf là. On n'a pas le droit. Quoi qu'il se passe après cette séance de tir au but, on n'a pas à rougir. Ok, on a fait un super match. C'est une D1 en face, hein. C'est une D1. Il y a trois divisions au-dessus. Quoi qu'il arrive, on a montré qu'on était capable.
Herman en dernier. Troisième Elvis, Abdé quatrième et Herman au dernier. Il nous faut jusqu'à 8. C'est pareil, vous mettez pas la pression, on est faites en vous, faites-vous confiance. Coupe de France, on est en quatrième div les gars. On n'est pas au Parc des Princes, hein, tout va bien. Ouais. Il c'est le gardien qui commence à tirer chez eux. C'est le gardien adverse qui va tirer. Attention, c'est parti. Le gardien adverse qui va tirer le premier péno. Elle est à côté. Et c'est Yann qui va se présenter face au... Je crois que t'as pas de pression, tu vois. Non, gardien. Allez, allez. Allez, là. Allez. Allez, Yann va se présenter. Allez, tu l'es allé, hein. Si. On est qualifié, c'est ça. Et ben, on va voir si Yann va être de ton avis, puisqu'il va se présenter face au goal. Il s'élance. Et il a petit filet et 1-0 pour Midsky. Eh, c'est incroyable, Gladys. Oh, les questions sur les compos, là, c'est pas le moment. Là. On s'en fout. Enfin, oh. Pourquoi pas, il est pas titulaire. On s'en fiche. On est là, on est sous pression. Allez, Herman. Allez. Allez, il me relance ton joueur préféré. Je t'ai dit, il va rater. Bien joué, bien milieu. Bien okay. Travaillé. Ok, merde. Bien joué, bien joué, bien joué. Ce qui fait un partout. Et Nero qui va s'élancer. Nero, le capitaine. Nero qui a tiré au tour précédent aussi. Hein. Exact. Qui l'a transformé. Exact. Son tir au but. Oui, il y a deux semaines. Ouais. Oui, il a gagné. Sur le côté. Exact. Nero qui s'élance. Elle est arrêtée. Allez, c'est pas grave. Il a pas elle est arrêtée. Par le goal de Tremplin. Et on reste. C'est pas grave, on peut pas. Allez. On reste un partout. Allez, 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 les gars, allez, c'est rien. Allez, on va très bien là. Oui, bah ça fait 90 minutes que t'es pas très bien, bien justement. Hein. Le numéro 4 de Tremplin qui s'élance et qui... Voilà. Et l'arrêt d'Herman. L'arrêt d'Herman. Et c'est un statu quo total. Allez, c'est Elvis. C'est Elvis. Voilà. Elle est dedans. Allez, le numéro 12 de Tremplin qui va s'élancer. Oh, ouais, c'est bien tiré, ouais, contre pied parfait. Bien tiré, rien à dire. Abdé qui va s'élancer. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Abdé. Qui s'élance. Allez, arrêté par le goal de Tremplin. J'ai dit qu'Herman, il en a arrêté deux. Et ben, on va voir si la théorie devient pratique. Le contre-pied. Ouais, le but, il s'est cassé. Oula, alors là, il y a un... Oula, alors ouais, alors là il y a un gros what the fuck. C'est les joies de la Coupe de France. Oui, voilà, alors le but s'est cassé. Alors ça c'est un TikTok, hein. Ça passe dans téléfoot ça. Herman s'élance. Oh la course d'élan. Oh bravo, bravo. Non, il y a 3-3 à mon poulet. Oh, aïe. Herman y était. Pas loin. Et c'est Djibril. Se présente. Bon. Ne regarde pas. Personne t'oblige. Le principe, c'est de voir Djibril. Allez, tu l'as bien. Allez, s'il te plaît. À côté. Allez, il s'élance. Elle est à côté. C'est fini. Tremplin élimine le Midsky FC au tir au but. Un partout et 4 à 3. Au lieu de nous préoccuper des pénaltys ratés et de la sortie en Coupe de France, on va maintenant se préoccuper de travailler. Voilà ce que ça donne quand on joue face à des grosses équipes. Ils se sont chiés dessus, ils ont perdu la notion, mais ils ont gagné. Parce qu'on est arrivé à 2000 à l'heure en première, parce qu'on avait une baisse d'attitude à un moment donné, parce qu'eux ont remonté à ce moment-là. C'est ça aussi qui fait la force des grosses équipes. Levez la tête. Levez la tête tous, s'il vous plaît. On vient de faire peur à une D1 pendant 90 minutes. Levez la tête. On a du travail, la route est longue. Et c'est ça qui fera que ce sera bon. Bravo les gars.